devant Villa Lacaille pour nous venir porter solidarité avec le ministre Panouan, qui est l'ingénieur Philippe Bélizet. Et je dis, on a dit ça pour tout le monde. Je dis, on a dit ça pour tout le monde. Nous-mêmes, qui t'as boumé dans la rue à opposition au pays, nous venons dire, conseil là, nous débattons conseil là 90 jours. Je dis à conseil là, gagner au moins 3 jours. Je dis, hein, c'est nous-mêmes qui t'as pris un balle dans la rue. Là. C'est nous-mêmes qui t'a pris un gaz dans la rue. C'est moi qui t'a maltraité dans la rue. Je dis à moi, je viens de dire le monde entier. Je dis à nous-mêmes, c'est Frite Bélizet nous besoin qui pourrait représenter la jeunesse. C'est Frite Bélizet qui pourrait représenter le secteur populaire. C'est dans ce sens que je dis. Nous, nous avons fait silence. Pour que j'aime parler avec la presse. Mais nous, je dis à. Américains ont mouru. Les Américains ont mouru en Haïtien. Moi, je suis parti avec toute la famille américaine. Prétendez nous parler. Mais il faut que nous connaissions aujourd'hui. Sénateur républicain, nous connaissons plus gros. L'ennemi dans le pays, là, c'est Joseph Michel Martelly. PHTK, la famille Clinton. Mais aujourd'hui, Joe Biden, pour te mettre à genoux devant diaspora. Je dis à vous d'accord pour craser Haïti, Joe Biden. Mais vous avez une seule chance. Je dis à Joe Biden, nous allons finir dans l'histoire. Nous sommes les premiers 4 mois qui prennent l'indépendance. Nous. Je dis à vous, Joe Biden, d'accord. Pour Joe Biden quitter Haïti crasé. Sous Donald Trump, Haïti va craser comme ça. Chaque jour, bon Dieu, mettez une force à finir. Nous craser un paquet de Kaimoun. Et pour là, lorsque nous disons. Nous, et pour nous faire base, je dis à m'entendre que nous prenons 200 policiers pour nous amener à la formation. Et je dis à m'en comprendre, pour qui ça depuis date ça, nous avons souffrance, peuple haïtien, policier mouri, président mouri, sénateur mouri. Tout le monde connaît, je dis à c'est Michel Martelly qui fédéré, dit monsieur, c'est madame Lalique qui égalise, tout ça mieux sorti les États-Unis. Haïti va faire ça. Mais, le peuple américain, on essaie un peuple moral lié. Mais je dis, même le peuple américain, il faut que dit Joe Biden, ça va faire haïtien, il n'est pas bon. Journaliste qui c'est le quatrième pouvoir, il a tué dans le commissariat, il a protégé, il a racheté le système dans là. Et mais je dis, nous-mêmes, opposition, Josie Kripep, Reginald Dimé, nous choisissons un premier ministre. Qui t'a vivre là, kidnapping, la vie chère, grand goût, insécurité, lila. Je dis à on n'est pas qu'à sortir de l'autre côté. Et on est, je dis à si petit ou pas là dans le pays. Madame ou pas là dans le pays, on va faire 5 ans. Ou à vivre là dans le pays, désormais on va pas premier ministre. Même non, ou pas qu'à premier ministre. Même non, et je dis, oui. En tant que militant politique, nous remarquons une discussion sur les joies. Entre nous connaissons politique pour faire, dis-nous qui ça va galérer. Non, je vais pas défendre. Je dis à Ebabakaï ça. Nous ne venons pas bagaille ça. C'est bataille haïtien, c'est haïtien tout le monde. Et je dis à un seul grand bagaille, ma petite. Dans la deuxième circonscription, demandez-moi une excuse publique, c'est un groupe WhatsApp, une discussion à faire. Je ne sais pas si c'est Pierre, je ne sais pas si c'est Jacques. Je dis à ce travail ministre. Pour mon canapé vert, je veux bonjour à l'école, bonjour à l'université, bonjour à la route. Je gagne une ravine. Dans le ballon, je vais vous faire une ravine qui est pour le commissariat, pour l'église Sainte-Marie. Je vais vous faire un bon travail. Et je dis à nous une plateforme qui est 109, Force des Boss, Organisation Force Canapé BRV, pour nous faire une plateforme pour supporter l'ingénieur Frite Bélizet. Et je dis à la que nous gagnons une dans chef opposition, dirigeant 29 mars qui est Joseph Pipep, tout le monde connaît, qui va parler du problème de l'IA. Merci la presse. Ça veut dire, leader ou bien, soi-disant premier ministre Mouvine, qui porte là, ou déjà ouais, son choix populaire. Je dis son choix, moun kap poumé, son choix, des populations adhérer avec.
Parce que nous-mêmes, comme nous avons boumé, comme nous avons pris des changements, tout le temps, dans le pays, qui fait tout le temps ça qui a boumé, qui va jamais essayer d'entrer dans le pouvoir, qui va jamais essayer de prendre chèque, de faire chérie de bagaille ou de série de côté, qui a défendu sa bagaille comme revendication, présence nous voulait dire, yon bagaille. Présence nous voulait dire, nous voulons changement total capital pour le pays. Présence nous voulait dire, nous voulons ouais, chaque haïtien et Jodia gagner liberté. Et chaque haïtien est capable et marcher libre à travers tout le pays. C'est ça, je dis à souhait, nouvelle classe politique là. Avec le mouvement 29 mars, Challenger populaire, CRIPEP, force qu'on avait rêvé, ça veut dire, moun kap foumé, moun kap bataille, moun kap défendre la population, yo fait choix de Fritz Belizier. Et choix Fritz Belizier là, nous pas faire pour partisanerie, nous faire c'est en fonction de. C'est en fonction de prise de parole nous gagnons, c'est en fonction de capacité nous qui gagnons, c'est en fonction de conscience, volonté de gagner avec sens de nationalisme, sens nationaliste. Nous disons au que au moins nous allons essayer de faire crédit avec les revendications du peuple. Parce que je dis, ça qui est là comme problème, non, on ne peut pas résoudre. Ça qui est comme problème, non, et on groupe ne peut pas résoudre. Mais c'est tout haïtien. Quel que soit mon noté dans la diaspora, quel que soit le Haïti, mais l'air connaît. Nous avons appuyé l'initiative. La cité Camarade de Sivoté, le conseil présidentiel, te prend pour te travailler en concertation avec la jeunesse. Mais nous saisissons et nous ne comprenons pas dans quel contexte nous avons fait choix de quelque organisation dénommée OJH, qui est l'observatoire de la jeunesse haïtienne qui dit qui représente la jeunesse comme quoi c'est le secteur jeunesse là. Nous, maintenant, le groupe national, nous dénonçons ces bagages comme ça. Nous disons, nous adressons une lettre formellement avec le conseil présidentiel là, jour qui était 16 mai 2024 passé, quand nous demandons au conseil là, si on veut tout bon vrai que la jeunesse a représenté, on veut tout bon vrai, ben, jeunesse a opportunité. Pour y en avoir pouvoir ça, et bien nous demandons pour y mettre sous pied une commission intergenèse qui a une commission à Chita avec toute association de jeunesse, avec tout groupement jeune, dans tous 11 départements géographiques d'Haïti, pour nous capables de gagner une entité représentative qui a gagné un mandat, côté que nous-mêmes la jeunesse, nous avons un mandat pour nous représenter nous en dedans. Pour voir ça en un nouveau gouvernement. Mais si c'est le contexte que y a fait là, nous-mêmes nous disons la jeunesse, nous ne pouvons pas prendre ça dans mes conseils présidentiels. Et nous croyons, présence nous tous ensemble, nous-mêmes dans le bloc populaire national, c'est pour nous demander intégration de la jeunesse au sein de ça, parce que la jeunesse a besoin carrément, parce que longtemps, ils ont quitté la jeunesse à dehors, longtemps, ils ont utilisé la jeunesse à tant que papier génique, ils n'ont pas la jeunesse à aucune importance. Nous disons, j'ai nous l'ouvri, j'ai nous calé, nous-mêmes la jeunesse, nous revendiquons. Participation nous au sein du nouveau gouvernement. Merci. Nous connaissons Sébastien Lefouille Saint-Bélizère qui dépose ses candidatures là pour choisir comme premier ministre. Nous remarquons qu'il y a un peu de militants qui viennent se voter Fritz Saint-Bélizère. C'est pourquoi il n'y a pas arrivé à choisir Fritz Saint-Bélizère comme prochain premier ministre. Bon, nous-mêmes, nous créons sur ça. Nous ne pas attendre nous à rien parce que pour qui ça, nous-mêmes, nous pas gagner aucun lien, aucun rapport avec aucun candidat pour poste premier ministre. Parce que nous-mêmes, dans le bloc populaire national, nous ne pouvons pas jamais arriver à Chita avec un leader ou un quelconque candidat pour nous dire que nous supporter X ou bien Y candidat. Donc, nous pensons que choix premier ministre, son choix démocratique qu'a fait, et nous demandons des conseils là pour lui prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son choix qui fait de manière démocratique et inclusive. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille tout suivant la RIA, suivant ça la RIA a demandé. Donc, je pense que, quel que soit le candidat qui vient prendre poste premier ministre, je pense que depuis c'est pour Haïti, depuis le bon pour Haïti, et bien, il est bon pour toute chaîne. C'est ça nous, quoi, nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas attendre à rien si Fritz Belizère n'est pas arrivé premier ministre. Intégration la jeunesse, nous demandons, intégration la jeunesse, nous demandons, intégration la jeunesse. Nous demandons, son opportunité pour nous encore une fois, pour nous devant
local la présidence Villa d'Akay dans Kafoumiso pour venir porter message ça by conseil présidentiel neuf membres blanc. Et qui message là nous t'ai adressé une lettre depuis 16 mai 2024 passé avec conseil présidentiel là. Qui ça qui était dans lettre ça? Nous t'ai dit conseil présidentiel là et bien par rapport avec insécurité qui est là, par rapport avec problème qui est là, et bien nous dit pays a pas qu'à ton encore, faut que tu dégages yo pour ben nous presser presser un premier ministre. Deuxième bagage qui était dans lettre ça, nous t'ai dit nous t'ai dénoncé OCH qui c'est Observatoire jeunesse haïtienne, nous tendait soi-disant que le conseil présidentiel t'a choisi pour représenter le secteur de la jeunesse. Pendant que nous-mêmes, la jeunesse, nous n'avons pas un mandat pour ça. Nous n'avons pas reconnaître OJH. Et nous disons, comme nous sommes architectes, les civiltaires, dans une vidéo, il te parle comme ça. Il te dit lui-même, il prend le travail avec la jeunesse. Il te dit lui-même, il a un programme pour la jeunesse. Et bien nous te disons nous-mêmes, nous apprécions l'initiative ça, parce que depuis plus de 30 ans, ils mettent jeunesse là dehors, ils ont exclu jeunesse là. Et ça fait quoi? Puis il faut génial, la guerre dans les camps juvéniles, puis il faut génial, c'est ça qu'ils prennent, donc ils sont illégaux, parce que pas d'encadrement pour la jeunesse. Mais nous disons, si le conseil présidentiel l'a fait, tu tout bon vrai, intégrer jeunesse là, tu avais tout bon vrai. Ben, j'ai sa chance pour représenter le pouvoir sac là, et bien nous dit faut que faire notre transparence. Faut que faire de façon inclusive. Mais nous pas d'accord. Nous avons démagogie quelconque pour choisir une organisation sous des formalités pour représenter le secteur de la jeunesse. Nous, même le peuple national, nous venons dire faut que la jeunesse soit intégrée. Et nous demandons faut qu'il suivi, qu'il fait sous l'aide nous déposée 16 mai 2024 passé à l'intégration, gouvernement d'intégration pour la jeunesse, parce que nous-mêmes, nous avons la rien à souffrir longtemps. Depuis longtemps, nous avons fait politique, nous avons même pas jeune monde passé avec nous. Nous n'avons pas jeune monde passé avec nous. C'est nous qui avons souffert, c'est nous qui avons mal, c'est nous qui avons mal. Nous avons un secteur qui s'est ouvert, c'est intégré aux jeunes, à l'équipe des amours. Mais nous-mêmes, nous venons revendiquer, nous venons faire voir nous passer. Nous parlons là pour nous qu'il y ait des amours. Nous là pour intégrer nous pour intégrer dans le système d'État. Après c'est nous qui travaillons, nous ces jeunes garçons, nous apprenons le métier dans l'école, nous tous les autres. Nous venons demander des garçons pour la jeunesse. Nous venons demander des renforts dans le système d'État pour nous avancer. C'est ça présence nous là, je veux dire là. Monsieur Lamé, tout est prêt, c'est ce que je suis là, et on a besoin de façon. Et c'est qui se prie
Mais pour vous montrer que vous êtes en confiance, vous êtes là.